Re YouTube. Et ben on est reparti sur cette session de Metroid Prime 2 Doth. Ah ouais, mais c'est nul. De toute façon, je suis pas dans le genre de délire. Ouais, je me surprends, ouais. Comment on fait pour casser les trucs en benzédium, là? En wildenium, là? Fiant d'enzium secondaire. Attendez, parce que si je fais ça, et si je fais ça... Bon, ça fait rien. Non, faut la power bomb. Hein. Et si j'ai regardé, regardez YouTube. Si dès le départ, on allait se faire chier. Hop. Metroid Prime 2. Willy Denzium. Denzium, The only known way to destroy it, as far as Samus is capable of, is by using a power bomb. Évidemment. Et la power bomb... Attends, une Metroid Prime, the power bomb guardian in Dark Torvus. Must be defeated to acquire the power bombs. Samus can reach the Guardian of Arcage. Spider Ball. Oh là là, Spider Guardian. Ouais, c'est pas tout de suite quoi. Only enough the power bomb generator listed as one of the abilities Samus loses at the beginning of the game. So they were not usable nor listed in the inventory at the time. And only usable after she regains them. This trait is shared with the grapple beam. Et le Spider, Spider Guardian. Il est où le Spider Guardian? Wazan possède bah, the banquier. Battle. C'est où? Il se trouve où? Dynamo Works Sanctuary Fortress. Hein? Ouais, bon, en gros, le jeu est en train de me dire, vas-y, vas-y, gars, c'est pas tout de suite, quoi. Viens de se peigner la moustache avec des picots d'un processeur. Bah, j'espère que c'est pas un processeur que tu comptes réutiliser, parce que... Ah bah, dis donc, il y a toutes les pins qui sont de travers, maintenant. Ah oui, non mais... c'est l'enfer. Je sais redresser les pins, t'inquiète. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Et t'es fier de ta vanne en plus. Et en plus, il est fier de sa vanne, quoi. Ah, dis donc. Bah ok. Bah super, on a été là pour rien aussi, hein. Bon, faut que je retourne en face. Et je vais aller au marais de Torvus en passant par en face. Oui, oui. Non mais c'est bien, non mais déjà. Déjà, si t'es fier de tes vannes déjà. C'est la moitié du travail de fait, hein.
celui d'en face. Hein. Ah non, c'est celui d'en bas. Enfin, en face, en bas, quoi. Putain, j'ai... Je me suis assis sur le truc. Hop, hop. Bon, ça c'est bien. Il y a trop de portes dans le jeu. Ok, nous revoilà là. Recrissou. Je savais pas que c'était parti, mais... du coup, je crois le comprendre. Ah mais non, mais regardez cet angle de caméra. Hop là. Parfait. D'ailleurs, c'est un AMD Sempron 2800. Pas de soucis s'il casse. Ah putain, c'est clair que oui, il est pas tout jeune, ouais. Allez, let's go! Pardon. Tiro Toto. Putain, je vais arriver où là? Bon, je vais arriver dans les marais évidemment, mais de quel côté quoi? Hop, le système d'ascenseur est rétabli. Ensuite. Mais il m'a... Ok, on y retourne. Pourquoi il bute pas lui? Oh putain. Je suis en train de niquer tous les mêmes missiles là. Mais merde! Putain, faut trouver le bon angle, c'est ça? Ah, oh, shit! Merde. Mais merde! Merde le jeu, hein, vraiment. Voilà. Vous pouvez le faire un peu vite. c'est passé à la méthode moche, mais c'est passé. Hein. Le plus important, c'est que ça passe. Ah, on arrive là. D'accord. Ok, c'était donc cette porte. Ça marche. J'ai cru entendre de la trompette ou un truc dans le genre. Faut que j'aille où dans le marais là? Ah, faut que je retourne là, c'est d'accord. Le truc jaune, il est à côté, hein. C'est ça, ouais. En plus, c'est bien, j'arrive là. Oh là là, trop bien. Pour une fois que j'arrive dans un endroit qui est pas trop galère et j'ai pas à me retaper toute la map. Franchement, je suis content. Ah, ça y est, j'ai la gorge qui gratte. Ça y est, ça commence. C'est par là, hein. Non, c'est pas par là. C'est par là?
Non, c'est pas par là. Putain, mais c'est où? Attends, faut que je recule là. Recoule, recoule, et après c'est la première à droite. Ah, c'est là. C'est dans le truc qui ressemble à... à Christophe Colomb. Do you know Christophe Colomb? Mais puis ce jeu. Hein. Et là, j'arrive là. Et porte violette maintenant. Par là. Merde, non, non, tombe pas. Oh, tombe pas. Oh, c'est le pire truc. Alors il est où? Regardez. Hop là, parfait. Non mais parfait. Parfait j'ai dit. Pourquoi ça veut pas sauter? Pourquoi ça veut pas sauter? C'est bon. Oh là là des fois... Oh mais putain mais ouais, j'ai pas intérêt à me planter hein. Putain mais merde. Mais pourquoi ça le fait? J'ai plus de missiles, j'ai plus de missiles. Non mais fallait pas me filer de la vie, fallait me filer des missiles là. Oh. Non mais attendez, je vais essayer ici. Est-ce que ça va marcher si je fais ça là? Tac, 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 tac. Voilà, ok. On va y avoir un truc là. Accès à l'entraînement. Ok, donc ça va être une salle d'entraînement. Voilà, évidemment. Qu'est-ce que c'est? Oh mais non, mais pas Dark Samus encore! Ah oh, c'est bon, on s'en va. Ils veulent pas mourir, c'est ça? Oh là là. Gna gna gna. Mais ils sont mignons avec Ferme ta bouche.
Bon, il y a un truc dans le fond là-bas. Ah, je peux le voir direct. Système, nanana, désactivé, menace ennemie détectée, sécuriser le secteur pour être... Oh, faut que je les bute. Bon bah, go, hein. Allez. Ah merde! J'ai cru que je l'avais eu moi. Mais je suis en train de crever en fait. Mais c'est quoi? Ah, le lock, le lock, le... Oh, pitié le lock. Lock, lock un ennemi. Merci. Ok, un de moi. Putain, je vis à côté. J'ai tout mis à côté. Allez. Ouf. Et des missiles, ça fait pas de mal. Ouais. Pourquoi pas? On va aller dans le rouge en premier, puis après on ira dans le bleu. Gna gna gna. Information transférée. Ok. Ah oui d'accord, ça s'est replié. Je pigeais pas pourquoi j'avais entendu un truc. Ouais, si j'avais pris le bleu en fait je pense que j'arrivais ici, ça me servait à rien. Parce que j'ai pas le truc jaune, je sais plus ce que c'est. C'est peut-être la power bomb justement le jaune. Ok. Tunnel de transit. C'est si vous avez des problèmes de transit. Ouais. Vu qu'on est dans l'eau, là, je pense pas qu'on puisse faire grand chose. Keblo ? Bon, c'est bon. Promis, j'allais pas m'énerver. Hein. Ok, donc on a un portail, c'est chouette. On a les petits cons dans l'eau là. Ouais. Ah, on voit le reflet de Samus, c'est rigolo. Non mais sinon, pas montrer ta bouche. Montre ta bouche, gars. Oh putain. Ah ouais, cool. Ah ouais, de le tabasser loin, ça vaut le coup en fait.
Comme ça, on a le temps de lui mettre la main. Sinon, tu meurs ou... Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, patatar, je viens de comprendre ta vanne. Putain, non mais... Pff, non mais... non, non, patatar, par contre, non. Non, pas toi, pas comme ça, quoi. Putain, je viens de comprendre la vanne, quoi. Et elle était pas si folle, hein. La gorge qui gratte. La gorge qui gratte. C'est toi qui as demandé comment faire en allant dans le marais. Ouais, non mais bon. On parlait pas du même, a priori. Ah. Plan tout net, là. T'as compris la blague aussi, Chrisou? Ouais. J'ai mis du temps. Après, de ce que j'ai compris de Patatarte, voilà, lui peut se permettre de faire la blague, pas nous, quoi. De la discrimination. Ah non, mais t'as le droit de faire une blague. Tout le monde peut faire les blagues. Moi, je pense pas. Perso, je pense pas. Voilà. Je pense que chaque communauté a le droit de faire des blagues qui la concernent. Mais que derrière... quelqu'un qui n'en fait pas partie, par contre, non. Ta. J'aime pas tout ce principe de communauté de manière générale. Je trouve que ça fait très sectaire et excluant. Ah, pas du tout. Enfin, c'est... c'est, je sais pas. Enfin, si t'es noir, t'es noir. T'as pas trop choisi, quoi. Si t'es juif, t'es juif. C'est la même, quoi. Enfin... Donc, non, c'est... C'est pas excluant, c'est tu fais partie d'un groupe social qui fait que, enfin, d'un, ouais, qui fait que tu peux avoir des blagues. Enfin, c'est comme le N-word. Le N-word, ouais, non, bah non, si t'es blanc, voilà, tu l'utilises pas. Alors que c'est un truc, c'est un truc que tu peux utiliser quand t'es toi-même noir, quoi. Donc non, enfin, c'est pas. Je trouve pas ça déconnant, clairement, je trouve pas ça déconnant. Si je vous appelle les cotons-tiges, par exemple, c'est ok, parce que je suis pas le comme un cul, et que, et que ça passe, quoi. Moi et mon humour de te, on gêne pas pour toucher à tout. Ouais, moi je déconne. Je déconne avec tout. Ouais, bah ouais, bah... Moi pas. Qu'est-ce que c'est que cette porte?
Qu'est-ce que c'est que cette porte? Il y a besoin d'un petit coup d'épée dans l'eau? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je te sens un peu crispé d'un coup. Bah non, c'est juste... Ouais, on est juste pas d'accord sur ça, quoi. Mais y a pas de... Y a pas à ban ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, mais si on peut rigoler que ce qui nous concerne, c'est dommage aussi. Ah non, 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 c'est pas ce que j'ai dit, en plus. Qu'est-ce que c'est que cette porte à la con, là? Non, c'est en fait si, je pense que je pense qu'on peut être assez malin en 2021 pour arriver à faire des vannes qui soient pas à l'encontre de quelqu'un quoi. Et enfin, j'ai l'impression que c'est la jeune génération. Alors des trucs que je vois sur TikTok en fait, ils y arrivent en fait à faire des vannes sans être discriminant quoi. Parce que c'est bon quoi, les vannes qui ne concernent pas, mais qui concernent les Noirs, les Arabes, les Juifs. Ça va quoi. Ça va. On en a bouffé. Je pense qu'on peut, on peut dépasser ça. Ou les vannes sexistes. Je pense qu'on a dépassé ça et que on peut aller plus loin et être un peu plus intelligent que ça, quoi. Ah oui, c'est dans l'immunité du tout, on a le droit d'avoir... Ouais, non, non, voilà, c'est ça, on est juste en train de... en train de discuter, quoi. Ah! Il y a eu une vanne douteuse, j'avais pas tout suivi. Elle est pas douteuse, en fait! Justement, enfin, le truc est parti de là, en fait, c'est que Patatarte peut se permettre cette vanne. Perso, je l'aurais pas faite. Mais Patatarte peut. Alors, qu'est-ce que c'est que cette porte? Certaines portes sont dotées d'un écran de protection qui en bloque l'accès. Les analyses indiquent que cet écran de protection résiste à la plupart des armes. Seule une arme mêlant énergie lumineuse et énergie sombre est efficace. Hein? Hein? Attends, il me faut une arme qui fait... Oh, je suis fatigué. Alors, le jeu me fatigue. Hein. Ça y est, je suis fatigué. Ça y est, j'atteins le point de... j'atteins le point de... Ça y est, le jeu est chiant. Ouais, ça, j'ai eu. Ah, ou alors, faut que je retourne, ouais, dans la salle... Dans la salle inondée, c'est ça? Attendez, attendez, c'est le bordel, c'est le bordel! Parce que attends, il me reste quoi après? Un truc qui combine. Ah, faut que j'aille de l'autre côté. Ah, d'accord, faut que j'aille là. En passant par l'autre côté, c'est ça? Sûrement. Mais tu vois, étant gay, j'aime pas le concept de communauté gay, dans le sens où ça exclut les non-gays, alors qu'au contraire, on veut de l'inclusion. Je sais pas, c'est compréhensible. Je savais pas. Bah tu vois, déjà, ça, je savais pas. Oui, non mais tu vois, enfin... Moi, dans le doute, alors, si toi, c'est comme ça que tu le penses, c'est plutôt cool et c'est plutôt inclusif, donc c'est cool. Mais je pense, enfin tu vois, c'est pas plus sur les... Si sur les vannes, tu vois, si je fais des vannes sur le... Si je fais des vannes sur les homos, moi étant hétéro, enfin c'est un peu naze quoi, enfin... Parce que enfin, les vannes que je vais pouvoir faire, principalement ça va être du cliché quoi. C'est... Tout comme si je fais une vanne sur les meufs, je suis un mec. Enfin, je peux pas comprendre totalement. Je peux avoir beaucoup d'empathie en fait pour les gens. Je pense que c'est quelque chose que j'ai, de l'empathie. Mais derrière, je ne peux pas comprendre la situation que vivent les gens tous les jours quand je fais pas partie de cette communauté en fait. Toi, quand je dis communauté, c'est pas au sens regroupement et on veut pas des, on a peur du reste en fait. Tu fais partie d'une communauté. Enfin, c'est.
C'est une construction sociale en fait, c'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose de forcément voulu. Quand je te parle d'une communauté, c'est pas on veut être ensemble et derrière on n'accepte pas le monde extérieur. Mais c'est vraiment dans le sens où il y a un fait et enfin voilà, tu fais partie du coup d'une construction sociale qui est une communauté. Bof, moi ça me dérange pas si tu le faisais, dans le sens où je te connais assez pour savoir que c'est pas fait avec méchanceté. Ça fait, je comprends. Ah oui, non mais voilà, après c'est pour ça que je me permets des vieilles vannes sexistes en privé avec des gens que je connais en fait. Mais là, tu vois, là sur le stream, globalement je suis en public et donc du coup je vais pas le faire quoi. J'ai attendez, je vais faire la pire. Non mais je suis pas homophobe. J'ai même des très bons amis gays. Et non, ce qui est vrai, effectivement, en privé avec des potes gays, que ce soit meuf ou mec, hein. Je peux me permettre des vannes en fait. Mais là, en public, je le ferai pas. Comme on dit, on peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui. Exactement. Enfin, c'est ça en fait. Ça dépend de qui. Et encore, même, j'en fais de moins en moins en fait. Même si je sais que je suis dans un espace safe et que c'est une blague que je vais pouvoir faire, derrière, j'en fais de moins en moins en fait. Parce que derrière, enfin, j'ai assez appris, par exemple, enfin, des meufs qui sont totalement ouvertes d'esprit et qui peuvent prendre des trucs à la rigolade. Derrière, quand t'as un mec qui te fait une vanne, tu vois, à la con, sur les meufs, ça passe. Sauf que derrière, quand tu te mets à la place de la nana, en fait, des mecs sympas, qu'elle connaît, qui font des blagues comme ça, en fait, et bah, il y en a plein. Et donc c'est au bout d'une journée, je pense que bah, t'as beau connaître tes potes et voilà, ça a beau être cool une fois, la répétition fait que tu peux vite en avoir marre, quoi. Mais pareil, j'ai le droit de réserve en public. Ouais, voilà, donc. Mais là tu vois, je suis sur un espace public en fait sur Twitch. Donc c'est pour ça que je le. Et je vous connais pas. Je vous connais pas non plus des masses, quoi. Donc tu vois. Tu vois, je savais pas, par exemple, que t'étais gay, tu vois. Donc. Voilà. Tellement en phase. Bon, bah c'est enfin, finalement, discutant, tu vois, on est d'accord, quoi. On est d'accord. Oui, je suis pas sûr, faut anéantir toutes les blagues tout le temps, mais voilà, sur un espace public, je pense qu'on peut être assez malin pour arriver à trouver des blagues inclusives. Ou alors de se moquer des riches. C'est ça, arrêtons de taper sur les minorités, tapons sur ceux qui ont le pognon, tapons sur ceux qui sont majoritaires, enfin voilà. Ça peut être pas mal. Faisons des blagues sur les hétéros. Faisons des blagues sur les mecs. Alors, les mecs sont pas majoritaires, hein, mais ça reste quand même la classe sociale dominante, quoi. Donc, pourquoi on se moquerait pas des dominants, en fait, c'est ça? Pourquoi on se moquerait pas des deux? Ce serait quand même vachement mieux. Alors avant que Patatart fasse la blague, quand je parle de faire de la blague sur les dominants, il n'y a pas de vanne SM là-dedans. Hein, je te vois venir. Hein, je te vois venir avec ta vieille vanne BDSM là dans 2 secondes. Donc non. Je parle des dominances sociales. Sociales. Ça commence par un S aussi. Mais je parle de social. Social. Bon, la petite porte blanche là. Ouais, donc faut que je retourne là quoi. Ok. Non, ça c'est pas ça. C'est ça. Faisons des blagues sur les hétéros avec 2 gosses ayant Labrador et allant à La Rochelle en vacances avec leurs amis Roger et Christine. Comment ça, c'est cliché? Bah oui, mais c'est rigolo. Ça changera un petit peu en fait. C'est ça qui est bien. C'est qu'on aura des blagues qui changeront un peu, qui seront pas toujours sur les mêmes personnes quoi. Qu'est-ce que c'est bien de changer quoi. J'ai pas le droit de faire des blagues sur les hétéros, je suis homo, scrogneugneuf. Ouais, mais globalement. Eh si, parce que sur les dominants. Si, sur les dominants tu peux en fait.
C'est compliqué, hein. Ça devient compliqué, mais... Si c'est le dominant, c'est bon. Faut que j'arrive, la porte blanche. Attendez, est-ce que je vais arriver à sauter jusque là? Oui! Ça dépend, est-ce que Patatart est dominant? Mais voilà, non mais arrêtez! Arrêtez! Arrêtez avec vos blagues, les sur le BDSM là! Non, ça c'est... Hein? Elle est où la porte? Ah, elle est là. Ouais, faut que je remonte. Comment je fais pour remonter? Je retourne dans le truc là. Alors. Let's go. C'est où, c'est où? Mais non, c'est pas ça que je veux faire. C'est là-bas. Ah oui, c'est là. Mais non, mais c'est pas ça que je veux. En plus, c'est pas du tout ça que je veux. Je veux tourner à la, je veux tourner à la porte bleue. Je suis con. Allez où? Elle est là-bas. C'est laquelle? Oh là là, ça me fatigue. Me dis pas que c'est celle-là. Si. Ça, hein. Mais non, c'est pas ça. Oh là là. Oh, je sais absolument plus ce que je dois faire. Non, c'est bon. Alors, c'est pas ça. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Faut que j'aille à la porte bleue. C'est celle qui est juste en dessous de moi. Ok. Oh là là, je suis tombé en plein dans le... Mais c'est pas possible d'être aussi con. Des fois, j'ai l'impression que je le fais exprès. Hein. Amène-moi un barbu poilu, musclé et en cuir, hein, t'auras la réponse. Ah, ça y est, il kiffe les bears, lui. Y'a pas ta tarte, il est bear sexuel. Mais non, mais je retombe en plein bidon, mais c'est pas possible. Arrête, arrête, arrête. Bon. C'est là? Est-ce que c'est là? Oui! Oh, j'ai trouvé, ça y est. Ah! Oh. Ça y est, il m'aura fallu que 12 ans pour réussir. Attendez, mais c'est quoi ce délire? Est-ce que je retourne dans la grande pièce? Ah non, ça... L'autre chemin, il menait pas à la porte jaune, il menait à la porte blanche en fait. Oh, attends, ça y est, j'ai compris. Patatart, il est surtout en pause depuis longtemps. Oh. Tu veux qu'on t'aide? Ah oui, il y en a un de plus maintenant. Ah non, c'est des jeunes, là. C'est des jeunes, maintenant, d'accord. J'ai tué les vieux, donc maintenant, on a des jeunes. J'ai pas assez de poils, a priori, pour aider. Ah, moi, j'en ai plein.
Pam 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 pam. Ok. Est-ce qu'il y a un petit truc à scanner? Mais j'ai pas scanné le gros machin? Putain, mais le mec. Unité motrice actuellement désactivée. Moteur boule morphing détecteur un statut. Activer le système de mouvement de la statue, ok. Voilà, ça se fait des bisous dans le chat là. Hein. C'est bien, j'aime bien cette bonne ambiance dans le chat. C'est cool. Est-ce qu'il faut que je le désactive tout de suite? Je ne sais pas. On va le faire. Ah bah non, ça sera actif après. D'accord, ok. Bon, il n'y a pas besoin. Alors. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Il y a des trucs, il y a des machins partout. Oh là là. Ça ne s'arrête jamais. Hein. Le revêtement du sol est composé de willidensium transparent. Les attaques des créatures locales l'ont considérablement affaibli. Un dispositif de mouvement caché. Ce dispositif a été conçu pour semer la confusion chez les banquiers. Tirer sur le cristal situé sur la surface inférieure pour renverser le dispositif. Les banquiers sont un peu cons quand même, non? Ce serait pas un peu con les banquiers quand même? L'émetteur laser luminote est opérationnel. Le dispositif de visée fonctionne avec un système de gyrogénérateur qui évidemment va être dans l'eau pour faire chier. Mais il y a un quadra avec un appart dans les quartiers riches de Rennes qui a une maison à Saint-Malo. Ça me remotive à me refaire le body de mes 20 ans. Donc j'ai pas besoin de votre aide. Non, je suis pas vénal, c'est faux. Tu as le droit. Hein. On ne juge pas. Hein. Mais faut pas se con, quoi. Peut-être que je suis trop près de la plateforme, il me voit pas. C'est fou ça. Et d'où l'autre? Alors, les écrits. Ok. C'est écrit, c'est ainsi. Quoi? Quoi? Je tape dans le... je tape dans le cristal. En vrai, c'est déprimant quand t'as 18-20 ans, t'es un aimant à Sugar Daddy. Avec la vingtaine. C'est foutu. Ah bah oui, mais bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui.
Vous savez, enfin, c'est un peu... Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je sais pas quoi, mais je sais pas tirer dans leur truc, là. Oui, daddy pauvre. Et j'en ai déjà parlé sur le stream, je sais pas si vous étiez là. Mais j'ai une collègue dans ma coopérative qui me... qui a 48 ans. Et qui disait que... dans une autre dimension ou la surface de l'éther sombre. Oh là, ça devient compliqué le jeu. Et à 48 balais, les mecs, en fait, de son âge, lui disent que... Ah non, mais les cristals, faut tirer avec... C'est ça, non? Je sais plus. Non? Non? Alors, avec ça? Oh, bordel. Et donc, les mecs de son âge, en fait, lui disent que à 48 ans, c'est bon. Elle est périmée, hein. Et c'est vraiment les mots qu'ils utilisent, hein. C'est elle est périmée. Et donc les seuls mecs qu'elle peut se taper, c'est des mecs de 65 ans, quoi, ou plus. C'est les seuls qui lui disent, ah là là, enfin voilà, t'as 48 ans, t'es une petite jeune, quoi. Et c'est, j'ai trouvé ça mais tellement dur. Et les mecs lui ont dit en face, quoi. Lui ont dit en face, à 48 ans, t'es périmée, quoi. Moi ça me rend dingue, quoi. Ça, plus mon chirurgien, moi, pour ma vasectomie, qui me dit que quand j'aurai 40 balais, je trouverai une petite nénette de 20 ans et je voudrais lui faire un gosse, quoi. On est... c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Comment on perçoit l'âge et tout Ouais, chez les gays, c'est un peu comme ça aussi. Passer 30 ans, t'es un vieux dans la commu, quoi. Mais là, tu vois, c'est même pas t'es vieille, quoi. C'était périmé, quoi. Et c'est ce qu'on lui a dit, hein. T'es périmé. C'est... C'est chaud, hein. Je pense que c'est dur à entendre, quoi. Ah ouais, là c'est la porte moitié-moitié, ça. Il y a les portes moitié-moitié. Après c'est pareil chez les hétéros en fait. C'est les meufs. Les meufs après... après 40 ans on n'en veut plus, hein. Ouais, obligé de s'adapter. J'étais twink et maintenant je dois devenir poilu et musclé. C'est quoi twink? J'ai pas tous les termes. Hein. J'essaie de rester au courant. Mais faut encore m'aider un peu, hein. Oh là là, mais oh non, ça va être l'enfer. Vous vous rappelez le truc qui a duré 12 plombes tout à l'heure? Bah pareil. La même. Quoi, mais on voit rien? Oh, je sais même pas où il est, quoi. Je vois que dalle sur mon radar. Il m'a balancé une bombe, le salaud, quoi. Hein?
sont partis? Ils sont morts? Mince, il me reste que 4 ans avant d'être jeté à la corbeille. Fin, sec, sans gras et sans poils. Hein. Une crevette à daddy en gros. Ok, d'accord, ça marche. Un twink, ok. Putain, c'est cool, j'apprends des trucs. Je suis content, j'apprends des trucs. Alors. Après, c'est peut-être pas le terme à sortir en public. Je viens de tilter. Quand le tapant sur Google, on tombe que sur du pro. Ah merde! Attendez. Je peux rentrer. Ça sert plus à rien quand je rentre dedans. Hop, non, je peux pas. Donc c'est cool, j'ai ouvert le machin là, mais je peux aller nulle part d'autre. Donc faut que je retourne par le portail. Maybe. Ah, la porte blanche, elle est plus en haut. Ah ouais, elle est au-dessus. Probablement. Mais je peux pas y aller. A priori, je peux aller nulle part, hein, donc... Qu'est-ce qu'on va faire? Hop, c'est ça. Bim. Et on retourne de l'autre côté. C'est les gros. Ok. Hein? Ah. Bon déjà, faut que j'aille là. Je fasse ça. Oh là là. Oh les jeux casse-tête quoi. Hein. Voilà une petite vaginoplastie et la vie sera plus belle. C'est autre chose. Hein. Dès que j'ai activé le machin là. La position de l'émetteur laser luminote ne peut être modifiée. Impossible d'utiliser le système de visée du gyrogénérateur. Attendez, de l'autre côté? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh non, il faut la... Il faut la boule morphing machin là. Auto! Auto! Mais trop bien! Coucou Auto, comment ça va? On a parlé de toi en début du stream justement. Ça fait super plaisir.
Pas d'accord sur les musiques. Et ouais, niveau lore, c'est carrément plus fourni. Je suis pas d'accord. Il y avait quand même pas mal dans le premier. Hein. Niveau lore, ça déconnait pas quoi. Hein. C'était OP quoi. Comment tu vas, Otto? Bon. Super, il y a le rayon qui va là-bas, on est ravis. Mais comment je vais au truc de bombe? Je ne sais pas. Ouais, mais tu sens qu'ils ont mis un cran au-dessus dans les causes, ouais, c'est vrai. Ça va bien, et vous? Eh bah écoute, ça va... Attendez, il y a un truc là. Ah mais oui, regardez maintenant, ça y est, c'est ouvert. Oh là 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 là. Ah là là. Et paf, oh là là. Quel génie. Tu vois, je disais au début que bah du Metroid sans toi, et bah c'était pas pareil. Hein. Je suis content de toi. Zoui, 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 zoui. Ok. Et donc là. Scannerisage. C'est Samus qui a sa phase émotectonique. Coucou Number 80. Comment tu vas Number 80? Ah ça y est, ça a débloqué le merdier. Enfin. Ah, depuis le temps. Fun fact, j'ai reçu ma copie de Metroid Prime Hunters DS. Oh là là. Oh là là. Otto. On sent la Blackie qui est contente. Ben voilà, il arrive quand je dois partir. Coïncidence? C'est ça que tu me disais, Otto, hein, tout à l'heure, quand on discutait, hein. Tu me disais que t'allais venir quand l'auto-merdeuse allait partir, c'est ça? C'est pas vrai, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. J'ai pas dormi, j'ai encore un dégât des eaux et, avec le voisin du 10e, j'habite au 6e. Oui, j'ai vu. Alors, j'ai vu oui, que tu n'avais pas dormi. 48 heures, là, ça y est? Bien, hein. À un moment, il va falloir y penser, quand même. Et puis, dégât des eaux avec la colonne de je sais pas quoi. Le voisin, c'est mon ancien prof de PS. Ah merde, dur. 72 heures là, putain, mais à un moment, faut dormir, gars. Hein. Je sais que c'est facile à dire, mais... C'est quoi ce gros truc? Hydrosaure alpha, immense individu dominant d'un groupe d'hydrosaures, énorme organisme aquatique capable d'émettre des explosions soniques vers ses ennemis, présente toutes les forces et les faiblesses de ses congénères. Super, va falloir que je me batte contre le gros machin là. Pas envie. J'ai pas envie. Tiens, je vais tuer ces gamins moi. Comme d'hab, hein. Samus Aran, destructrice d'écosystème. Je suis sûr que c'est elle qui a foutu le feu au golfe du Mexique, là. Ça va, j'ai pas encore des hallucinations, sauf les petits Mario qui sautent qui sautent sur les épaules des gens. C'est le féminisme extrême. Ah bah oui, c'est ça, bah oui. Bah ouais. Elles veulent la mort de toutes les espèces mâles.
Bien évidemment. J'ai pas envie qu'il se réveille l'autre gros derrière. Mais ça fait peur leur connerie là. J'ai peur. Est-ce que je me jette ou pas? A priori. Alors qu'est-ce donc? La turbo-gravité. Hein? C'est quoi? Ah, c'est je vais pouvoir aller dans l'eau quoi. Ouais, ok. Ok. C'est la gravity suit quoi. J'ai un turbo, regardez. J'ai un turbo. Je suis une kéké. Je suis une kéké qui fait du tuning. Sous l'eau, appuyez sur B pour sauter. Tout en vous déplaçant, appuyez à nouveau sur B. Maintenez B enfoncé pour remonter doucement dans l'eau. Ouais, ok. Samu, ça fait bien ces exercices d'abdos fessiers. Ouais, c'est ça. Ok, donc faut faire tac, tac. Et après on peut remonter. Ok. Dur comme du métal. C'est peut-être parce que c'est du métal du coup. L'eau est devenue... Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'eau est devenue plus claire. Maintenant que j'ai mon turbo de kéké là. L'eau est moins opaque. Oula! Oh, je vais encore crever en boucle. Oh, j'ai pas sauvegardé depuis 2 heures. Petit connard. Il est con. Oh, il est con. Bon bah si c'est que ça, ça va aller hein. Enfin faudrait que j'essaie de viser la bouche quand même. Merde, il m'a touché, salaud. Moins 145 le machin de QI. Ah mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas des murs? Bah regardez si je l'envoie sur ça, non? Si vous pensez que ça marche. Putain, il me balance des trucs. Aïe! Merde, je me suis fait avoir. Bon, je vais continuer comme ça, il a l'air un peu con. Hein. C'est long, mais bah, en même temps, alors en même temps, tous les combats de boss sont vraiment très chiants dans le 2. Hein. J'ai pas eu un combat de boss où c'était intéressant pour l'instant. Hein.
Honnêtement, les combats de boss sont chiants. Mais en fait, tous les combats dans celui-là sont vraiment chiants comme pas possible. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec les combats. Ils se sont dit, tiens, on va faire un truc super relou. Ça va être génial. Attendez, si je peux faire ça ou pas? Ça a pas fait grand-chose, j'ai l'impression. Je crois que ça a pas visé la bouche. C'est un Metroid, enlève la licence, tu mets un bon 8 sur 20 en jeu. Soyons raisonnables. Mettons la moyenne quoi. Merde. Voilà. Merde, qu'est-ce que je fous? Putain, il fait mal en plus ce connard. Il est peut-être débile, mais il fait mal. Bon, allez. Merde. Et comment il se soigne? Non? Je délire où il soigne ce con? Merde, merde, merde! En parlant de Prime, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez Amazon Prime, un petit sub, ça fait plaisir. Attendez, mais. Putain de merde! Oh, je vais crever. Mais pourquoi je le touche plus? Pourquoi ça marche plus? C'est moi ou ça marche plus? Un petit Prime Gaming, effectivement, c'est vrai que ça a changé de nom depuis un an. Ça merde, ça lui fait plus rien. Ça marche plus? Je vais essayer un truc. Tac, tac. Merde. Merde. Attendez. Tac, tac. Je remonte. Mais ça marche pas. Ah, hule. Oh, j'ai ah, mais j'ai pas vu, j'avais 6 d'énergie. Bah ouais, bah évidemment. Oh, j'ai pas sauvegardé. Oh, oh non. Ah bah on arrête là. C'est bon. C'est bon. Salut. Oh regardez, j'avais même pas ouvert ça. Oh là là. En plus, je le dis tout à l'heure, je dis, vous vous rappelez, Metroid, c'est un vieux jeu, où il y avait des sauvegardes. En plus, c'est sur cette sauvegarde-là. Sur cette sauvegarde-là, je dis, c'est un jeu où il y a des sauvegardes et quand vous sauvegardez pas, et ben vous perdez 2 heures de jeu. Putain.
que je fais? Putain, j'ai pas envie. Oh, je vous jure, j'ai pas envie, quoi. Non, mais c'est pas ça en plus que je veux faire. Oh putain, c'est l'enfer! C'est l'enfer! Sans... Non, mais. Oh, les jeux de merde! En 2004, les autosaves existaient déjà depuis un moment. Nintendo, toujours, toujours visionnaire. Putain, mais ouais, quoi. Oh non, mais oh là là. Oh non! Non! Ah, je vous jure! Oh, mais je suis tellement loin, quoi. Ça y est, la manette qui même la manette elle veut plus, même la manette elle a dit stop. Oh là là, ça m'est arrivé sur Resident Evil de perdre presque 2 heures, j'ai rage quit et jamais repris le jeu. Bah là je t'avoue que là j'ai je suis moyen motivé là. Dis-toi que c'est une vision de l'avenir dans laquelle tu meurs. Maintenant, tu dois éviter que ça arrive. Oh ouais, non, mais... Non, en plus, il y a tellement pas de sauvegarde dans le coin où j'étais, là. C'est de la chiasse. Oh, le jeu à la bite. Et encore, ça serait un jeu... Ce sera un jeu sur lequel je m'éclate vraiment et je me dis ah là là qu'est-ce que c'est bien. Finalement je viens de perdre 1 heure, mais c'est 1 heure que je passerai en plus sur le jeu. Mais non quoi. En fait ouais là c'est merde, je vais être obligé de passer 1 heure de plus sur le jeu. Et j'ai pas envie. Consoles n'ont toujours pas de F5 et F9 en 2021 d'ailleurs. Ouais. Ah, faut vraiment que je refasse tout, quoi. Oh, l'enfer! L'enfer! Faut que j'aille au truc jaune, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, on retourne dans l'anus, là. Des bisous Blacky, des bisous, des bisous. Faut vraiment que je me retape tout quoi. Les combats contre les ennemis merdiques, la totale quoi, la totale. Faut que je me refasse la totale quoi. Oh là là. Et où est-ce qu'il y a un putain de point de sauvegarde dans le coin? Il y en a un tout en haut là. C'est avant de tomber dans le puits là, il aurait fallu que je... Ouais. Ça. Il aurait fallu que je remonte, que je sauvegarde avant. En même temps, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Hein. Là-dessus, j'ai fait le connard. Hein. Ah. C'est pas comme si je le savais pas. Hein. Alors, non mais vas-y. Alors, hop. Hop, hop. Non, il faut être plus loin. Sinon ça ne marche pas.
super. Non! Imagine, tu meurs écrasé par un camion à 35 ans et t'as pas sauvegardé depuis tes 12 ans. Du coup, tu dois rattraper ton adolescence. Putain, ouais. Dur. Dur. Ah, y a peut-être des choses que je ferais différemment. Voilà, tu vois, y a Patatarde qui dit, il signe pour tout refaire, lui. Alors, est-ce que c'est là? Oui. Attendez, je me mets au bord. Attendez, y a encore un connard, là? Ouais, y en a un connard. Vas-y, toi, tu meurs. Tu vas payer pour tous les autres. Alors. Quoi? Ah oh, mais merde. Oh c'est chiant. Oh ces portes là, les portes les plus chiantes de l'histoire. Hein. C'est une méconception commune. Ce que tu le sais, grâce à tes erreurs. Tu changes, alors tu repars à zéro. Oh là là, attends, le mec, il va nous faire genre, regarde. Tu vas créer une nouvelle branche temporelle. Oh là, bah, vous savez quoi, je me prends un petit chocolat là pour me. J'espère que vous aimez bien le son. Du paquet. De Gilles Gros Paquet. Oh putain. Il est où l'autre connard? Il est où ton frangin là? Il est au-dessus de moi. Non, il est là. Je suis team assumer ces conneries perso. Après, oh là là, faut que je refasse toute la partie rouge après. Oh, oh ça sonne sexe ce que je viens de dire. Je t'envie. C'est vrai que... Attendez, je sais pas si c'est safe. Ouais, on va tenter. C'est vrai que Patatarde, des fois, t'y vas un peu à sec hein, quand même. Voilà. Voilà, désolé. Désolé, j'ai dit que je le ferais pas tout à l'heure et finalement... Hein... Je fais des blagues de ce genre là. Veuillez me pardonner. Oh, mais c'est fermé ici. Ah mais je comprends mieux pourquoi ça passait pas tout à l'heure. C'est parce que c'est fermé en fait. Hein? Génie. Ceci n'est pas le son de l'applaudissement. Oh là là, quelle horreur. Ah oui, bah oui. C'est clair qu'on rentre assez régulièrement dans des trucs ressemblant à s'y méprendre.
Attends, je les ai scannés ou pas? Ah non, je les ai pas scannés. Si? Si, je les ai scannés. Casse-toi, pauvre con! Ok, donc là on arrive devant la porte qui dit: ah non, non, regarde, je suis une porte où faut les deux, hein! Super, je suis ravi. L'autre là, le macabé depuis des siècles, hein. Hop, porte noire. Let's go! Sphincter Simulator. D'ailleurs, j'avais fait un truc en 3D pour un petit clip. C'était clairement ça. Hein. Sphincter 3D. Pour un petit clip. Comment ça pour un petit clip? Petit clip de quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais ce temps perdu. J'en peux plus. Très merdique ce genre. Non mais je sais où c'est, je sais où c'est. Non mais arrête, vas-y. Arrête de m'emmerder, je sais où faut que j'aille. Ah, puis c'est vrai que tant qu'on n'a pas regardé le truc, il nous spam. Et là, c'est... Non mais vas-y. Non mais y a de la technologie illuminate là. Tu veux pas y aller? Tu veux pas aller voir? Regarde, hop. Ah, regarde, je te montre. Ah bah c'est juste en dessous, dis donc. Ah bah je savais pas. Promets, je m'énerve pas. Je m'énerve pas, mais j'ai envie. Hein. Un clip d'un rappeur. Mais c'est pas encore sorti. Genre, le mec, t'es payé 100 balles et 1 mars. Un petit rappeur. Oui, un rappeur avec 2 P. Parce qu'il y a un rappeur avec un P, ouais. C'est pas trop ce qu'il t'a fait, mais... ouais, rappeur avec un P, c'est comme pour les carottes, quoi. Vous vous rendez compte que là, je suis en train de faire en 10 minutes, parce que j'ai mis une heure... hein? C'est un peu con quand même, non? Voilà. Hop, c'est parfait. En vrai, j'étais content du résultat. Je peux mettre un lien. Vas-y, essaie de le mettre, mais je pense que ça n'a pas marché. En plus d'avoir une palette de couleurs inexistante, c'est quand même brouillard sur... Ah ouais, non, mais clairement. Ouais. Alors... Alors, il faut que j'aille où? Je sais déjà plus où faut que j'aille. J'en peux plus du jeu. Je vous jure, il m'a fatigué le jeu là. Faut que j'aille dans le portail, oui c'est ça. Le portail il est sous l'eau.
Portail underwater. Non mais casse-toi. Casse-toi, casse-toi. Non mais casse-toi. Oh là là, j'en ai plus. Les têtes de con. Vas-y. Oh là là, mais. Oh, m'énerve, mais il m'énerve. Quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Sinon avec un permis ça devrait marcher, non? Bah non, parce que moi j'ai pas de bot. Y a pas de bot en fait sur le sur la chaîne. Donc il n'y a pas de commande. Alors. Interdit aux bots et aux enfants, c'est ça. Mais ok, pour les enfants dans les bots. Non, ça c'est la porte chelou, ça. Oh, me dis pas qu'il faut que je bute les connards en bas pour activer le portail. Oh, si, c'est sûr. Ah non, il y en a qu'un. Ah non. Pourquoi j'ai utilisé mon pouvoir Oh là là, mais faut viser la bouche sur ces merdes là. On voit même pas si on leur fait du dégât ou pas quoi. A priori, j'ai visé la bouche. Bah y'a Tone Up qui force toutes les 5 minutes, mais à part forcer, il fait pas grand chose. Oh, joue mieux. Je sais plus ce qu'il y a dans la salle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Vous qui avez suivi tout à l'heure, j'avais fait quoi pour ouvrir la grille? Parce que moi je sais plus. Là en haut, faut que j'y aille, mais... Mais shit goddamn. C'est quoi le monsieur? Mais j'essaie de... Tu vois en fait là y a une grille. Il y a une grille devant le... Devant le portail. Il faut que je prenne le porto. Il faut que je prenne le porto qui est ici. Mais il faut que je débloque la grille. Et je me rappelle plus comment j'ai débloqué la grille tout à l'heure.
Donc je me trouve bien emmerdé. Vois-tu? Ah bah y'a un... Oh putain, y'a le truc là-bas. Ah oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon, hein. Je veux pas de vos jugements là. Me jugez pas. Hein. J'ai perdu... J'ai perdu 1 heure de ma vie que je retrouverai jamais là. Jugez pas. Hein. Oh, je vais avoir le combat de merde là. Oh non, je vais essayer de le passer le combat de merde. Vu que je sais ce qu'il faut que je fasse, on va essayer de le passer. On va y aller en force là, parce que c'est bon. C'est bon, hein. Autre chose à foutre. Que de combattre des merdasses là. Faut que j'aille en face, hein, c'est ça? Regardez, ils sont pas contents. Je m'en fous. Je m'en fous. De tout. Hop, regardez. Non! Putain, les connards. Mais non, mais qu'est-ce que je branle? Pourquoi je prends la boule morphing? Hein? C'est Samus? Ah non. Je comprenais pas, j'ai cru que c'était Samus. Enfin, un Dark Samus. Voilà! Vous avez vu, c'est pas parfait ça? Oublie pas de save! Ah non, non, je vais y penser cette fois-ci. Hop! Et là maintenant. Paf! Allez! Vous avez vu? Vous avez vu normalement les combats qui durent 10 plombes? Et bah hop! On les fait pas, on s'en fout! C'est ça qui est chiant dans le jeu quoi. C'est ça qui est vraiment chiant dans le jeu. C'est que les combats sont vraiment pas intéressants. Quoi. Nickel. Ça, c'est déverrouillé. Ah. Par contre, on bute l'autre gros connard là, puis après on arrête. Hein. Enfin, après, je sais pas ce que je ferai ce soir. Est-ce que je commence Deponia 3 ou est-ce que je fais un petit Isaac? En fait, vaut mieux pas les buter. Toi tu dis Isaac parce que t'as envie de me voir rager, c'est tout. Alors que je rage même pas. Super Meat Boy. Là tu vois, là je sais que t'as envie de me voir rager par contre. Ah merde, c'est encore en dessous. Hein? Oh non! Oh non! Oh non! Oh putain, je suis obligé de descendre. Je peux pas remonter. Je vous jure, c'est pas une vanne, je peux pas remonter.
Bon, déjà, je commence avec plus de vie que tout à l'heure. Mais putain, ça saoule, quoi. Rabia est dehors, on la voit plus sur le stream. Non, bah non. En plus, c'est même pas ouvert. Non, non, elle est là-haut. Elle est là-haut, elle glande sur son arbre. Tu as eu un magnifique post sur Instagram pour montrer toute sa beauté. Et de toute beauté. Putain, j'ai pas envie. Je vous jure, j'ai pas envie. Je suis vieux, je connais pas Instagram. C'est comme Facebook. C'est comme Facebook, mais mais c'est pour regarder des influenceuses beauté. Ok, c'est pour se rincer les neuilles. Ah non, ça c'est le... Ça c'est le... Merde, putain, je veux faire une vanne, j'y arrive même pas. C'est le sérum phy, ça. C'est le sérum physiologique. Ou à l'autre, il balance mes... Il balance mes comptes de réseaux sociaux, lui. Parce que personne avait. Personne se doutait que c'était slash Tony Hub sur Instagram. Bon, bah, on va y aller. Hein. Mais il se soigne ce con, non? Ou alors c'est vraiment la barre de vie qui est toute buggée, quoi. Non, c'est la barre de vie qui déconne. Un peu vers le bas en fait. Bon, pas trop quand même, faut pas déconner. Presse pas de côté twin, mais c'est exactement ça quoi. Bonjour, je suis un boss super chiant. Dans Metroid 2. Ah, question trop compliquée. Ils sont tous chiants. Ça, sinon, vous vous amusez, vous, ou pas, hein? Merde. Ça, par contre, il me fait 52 dégâts directs, quoi. Ah, merde, 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 ça y est, je trigger. Triggered. Ah mais merde, qu'est-ce que je fous? Oh putain, j'ai pas intérêt à crever. J'arrête le jeu, hein.
J'arrête définitivement le jeu si je repère. Hein. Et que j'ai pas sauvegarde. Hein. Mais pourquoi ça marche plus? Ça lui fait aucun dégât là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas où faut tirer, c'est meilleur. Est-ce que ça lui fait un peu de dégâts ça? Je sais même pas en fait. Ah merde, merde, merde. Oh, oh il fait demi-tour. Putain, je vais crever. Super. J'adore. Je kiffe ma vie. Attendez, je vais essayer un truc. Il est où le ventilateur? Il est là. Okay. Merde! Oh putain, je vais crever. Mais non, mais putain, ça fait chier, bordel! Il a pas réussi à. Oh, mais merde, mais merde, mais merde! J'arrive pas à sauter. Bon bah je vais crever, super. C'est de la merde. Non mais je m'en fous. Voilà. Allez, salut le jeu hein. Non mais je veux pas reprendre. Vas-y, c'est trop de la chiasse. Hop non, allez. Bisous hein. Salut YouTube.